moment là, nous sommes sur plateau Espérance TV pour émission Anti-Causé. Nous allons causer ensemble à sous direction l'Esprit Bon Dieu. C'est pour raison de là, je les remercie Anthony, Médéric, Daniel et puis Maud qui a formé une belle équipe et qui a travaillé pour la gloire Bon Dieu. Eh bien, chacun monde ben qui a reçu le couronne tout à l'heure parce que et Bon Dieu qui a récompensé nous tout travail là qui a fait là. Nous pas qu'à faire ça pour nous être sauvés, mais nous avons fait parce que nous sauver. Bel yes. passage. En tout cas, nous avons remercié tout auditeur des trois radios, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous aimons sans question l'amour, autres et puis nous, et puis les téléspectateurs, tous ces grands mounins, parfois qui ont assis, qui ont écouté, qui ont étudié, tout ça, et puis les moniteurs qui ont dit nous que nous avons passé des bons moments. Yo toujours ka coûté anti-causé avant yo faire l'ison yo ou après. En tout cas, nous ka dit c'est ensemble nous ka avancer. Gracien nous ka avancer petit à petit, mais nous ka nous ka épuiser tout thème les psaumes en dedans en petit moment. En tout cas, bienvenue. Comment vous êtes, Gracien? Bien, merci. Et puis la grâce, bon Dieu. Ou même, comment vous êtes? Bien, merci, ma petite, bon Dieu. Merci, toutes les heures. Et moi, quoi, je vais chanter en louange sans fin. Ah, ben, on va chanter en louange nouveau. Oui, oui, pour l'éternel. Eh bien, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, c'est plus plaisir, nous, là, qu'on nous a dit. Et puis la joie dans le cœur, nous a accueilli à l'ivre la tête. Tout le monde qui a regardé l'émission Tala. Nous a rappelé que c'est l'émission Tala enregistrée pour porter la connaissance. Bon Dieu, allons la terre afin que tout le monde sache qui est qui Jésus. Je salue tout le monde en nom de Jésus. Merci et Gracien. Alors avant de commencer, je dis à nous parler d'un louange qui n'est pas fini, une louange sans fin. Et avant de prendre le texte de base là, on nous prie. Papa Dieu, c'est en l'occasion nouveau qu'on nous de rouvrir la Bible et puis partager la parole là. Ou ba nous sous direction du Saint-Esprit. Oui, quittez-nous vivre en la vie qui kay représente ou qui kay digne parce que nous connaît parole. Mais puisque nous ka ouvé Bible, quittez le Saint-Esprit, conduis-nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Bien, Gracien, texte de base là, psaume 104, verset 33. Oui, alors, psaume 104, verset 33, il a dit, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ouais. » Tout le temps, je vais vivre. Je vais chanter, bon Dieu. Je vais célébrer toute la vie. Moi. Et est-ce que ça est possible, Gracien? Avant, on dit oui. Est-ce que ça est possible là? Je vais changer le monde qui a passé par des tribulations difficiles, par des moments extrêmement tragiques, et des maladies, des séparations, des épreuves terribles. Est-ce que ce monde à la cité là, peut dire « Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. » Oui. Ça possible et ça qu'a fait. Ça qu'a fait, moi qu'a rappelé hein? Assez souvent ou qu'a aller, yo qu'a donné moun qui en fin de vie, aller visiter l'hôpital pour pas une consolation. Assez souvent, moun a la chance encore de ni la parole. Et souvent c'est moun ta la capote plus gros exhortation ba, un plus gros encouragement ba, ou qui te venir encourager de le quoi sent ou quoi parti plus fort et moun plus fortifié. Ça vrai, ça vrai, et ça caractérise parce que nous avons fait une dame dans les hôpitaux et tout ça. Nous avons fait ça. Pouchi, parce que Pouchi, ou ça, le rôle du chant et puis de la louange, c'est de graver en tête pour ne pas oublier pièce les promesses du bon Dieu. C'est important. Chant. Donc, alors, le chant, chant, même si on ne peut pas chanter, mais refroyant en dit dans tête. Refrayant parole là en dit dans tête ou même si vous passez à chanter, mais il l'a en dit dans tête ou et alors donc sans louange ou qu'exprimer il pas peut-être audible mais quoi exprimer louange là la, ou quoi faire donner donc ou quoi garder contact là et puis bon Dieu et moi qu'à rappeler Jésus qui est le plus grand qui passa sur la terre. Le dernier semaine, c'est chant de louange qui t'a Jésus.
Parce que là, il finit faire la communion, là, cette semaine, et puis les disciples, ils allaient à la montagne, au jardin de Gethsémané. Et à travers de l'hier, jusqu'au jardin de Gethsémané, il était qu'à chanter. Alors, nous, quand on dit ça, c'est parce que il y a des gens qui ont dit, oui, mais qui côté, c'est mon qui a pris force pour chanter tout le temps qu'il y a vivre. En fait, ils savent bien que c'est relation et unité qui a fait la différence. Parce que c'est même manière, Job dit comme ça, même si quand il descend, il périt, il descend dans la poussière, mais ils savent que Rédempteur est vivant et qu'il a fait vivre élevé. Donc, là où on peut passer des souffrances, on sait que la vie, c'est un homme bon Dieu, oui. La vie éternelle. Donc, et puis, souffle on y est, malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré les maladies, malgré les grandes déceptions, nous pouvons continuer à chanter oui, depuis nous le souffle de vie. Absolument. Parce que, bon Dieu, c'est lui qui commet là. Alors, Gratien, qui adoration qui offert bah bon Dieu ici? Là, quand on dit, lever la main vers le sanctuaire. Alors, nous allons lire ça, le psaume, c'est le psalmiste écrit, expérience. Nous allons lire et puis nous allons commenter ça. Donc, le psaume 134, le psaume 134, nous allons lire ça rapidement. Il parle long, le psaume, c'est trois versets. Psaume 134, c'est un cantique de degrés. Nous allons dire encore, c'est de monter. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Oui, oui. Est-ce qu'elle formule dans la grâce? C'est pas en formule bénédiction. Oui, oui, absolument. C'est la formule de bénédiction. C'est, bon Dieu, moi qui bénis. Bon Dieu, moi qui bénis. Parce que ou bon, ben, moi. Parce que vous faites moi expérimenter la joie. C'est cela. Assez souvent, nous arrêtons et polis dans nos actes d'adoration. Assez souvent, nous restreignons les gestes. La gesticule dans nos actes d'adoration. Mais où c'est en être tout entier? Puisque la Bible a dit, offrez, bon Dieu, un sacrifice vivant. Offrez corps. Ouais, un sacrifice. Un sacrifice vivant. C'est donc, par conséquent. C'est agréable, c'est ça qui est un culte raisonnable devant voilà. Dieu. Nous pas ni à faire taire la gesticule, c'est-à-dire les mouvements de nos mains, de nos bouches, de nos lèvres, pour nous louer, bon Dieu, puisqu'il appartient à bon Dieu. Dieu. Donc, nous ni a fait cette expression là, lever la main et puis louer bon Dieu. Oui. Et l'on a regardé ici, et où on dit dans le sanctuaire là. Oui, qui a rappelé la bénédiction. Et texte là, ici, Gratien a causé moins problème, puisqu'il a dit élevez vos mains vers le sanctuaire. Et bénissez l'Éternel. Qui mène peut bénir l'Éternel alors que la bénédiction va venir de l'Éternel? Mais oui, mais oui, mais c'est pas moi qui dis. Oui. C'est Bible qui a recommandé moi d'y faire. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, mon cadeau, il y a trop poli, il y a trop modeste. Qui mène nous peut bénir? Peut-être ça nous bénissez l'Éternel. Oui, en fait, ça c'est mon a oublié. C'est attitude nous dans l'adoration qui a glorifié l'Éternel. Qui a glorifié c'est pas l'Éternel. Parce que l'on est entré dans le sanctuaire là. Quoi glorifier l'Éternel et puis pendant toute semaine on a brûlé aux os, on a pété bon, on a fait tout bagaille et pour pas venir lever de la main, on a fait louange, cabercer, etc. Non, ça, non c'est en attitude, c'est en conception de relation à Dieu. Ça veut dire que attitude ou qualité service ou qu'a béni l'Éternel et qu'a démontré que c'est l'Éternel qui fournit toute place là parce que c'est lui qui a bâti nous. Et bénédiction, en voilà. Fait, c'est bénédiction oui, si vous êtes dans l'Éternel là, on va pouvoir. C'est cela, c'est cela. Bon, alors donc, il y a une relation importante et puis les de Nombre chapitre 6. Donc on lit texte là, Nombre chapitre 6 verset 24, 27 et puis Psaume 67 verset 2. Écoutez ça, cadeau. Non, l'Éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz,
verset 24, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ouais. Quoi bénir peuple là? Bien. Mais c'est en fait c'est l'Éternel qui a béni peuple là. Alors et pour quelle raison les ministres de l'Évangile ne vont pas faire que ces deux ailes? Certains pas qu'à faire et joindre bénédiction ta là à sa bon Dieu recommandé. Mm-hmm. Et à présent par exemple il a dit à mon et il a fait la bénédiction. Ouais. Il a venu et puis il a fait en la prière, il a répondu tout ça. Prédicateur, non, ça pas bon. Oui. C'est pas bon. C'est bon. Et déjà, l'erreur qu'il a commis là, c'est que lève-nous pour la prière de bénédiction. La bénédiction, c'est pas en prière. La prière, c'est pas en prière. La bénédiction, c'est une formule de bénédiction et tu auquel ou comment de l'Éternel bénit peuple là. Que l'Éternel te bénisse. Mais là, l'Éternel te bénisse là, c'est la caillou où aller. Qu'a béni un caillou, qu'a béni un dans champ, qu'a béni un dans machin. Ça c'est deux formules. Mais nous bénissons en prière. En prière, même si c'est une formule de bénédiction, mais c'est en prière, Billy. Puisque on va présenter et peuple là, bah, bon Dieu, et. Mais normalement. Et on va prononcer ces paroles là. De pourquoi dit levez-nous pour la prière de bénédiction aux enfants? Non, mon quoi dit levez-nous en nous doublant pour la bénédiction. Pour la bénédiction. Pour ouais, la bénédiction. Nous d'accord. Parce que généralement, tout le monde, et puis ça a posé polémique aussi, puisque n'y a pas de monde qui donne toutes les prières à dans son cœur, ça fait à jeûne. Oui, ou quand il y a deux bouts pour la bénédiction, il y aura. Il y a un genou. Pourquoi? Parce que il y a ça, que c'est pas bénédiction qu'on fait, c'est la prière. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que dès le départ, ou même va missionner à la prière, donc pour vous, c'est. Et comme il y a ces deux ailes qui disent que toute prière qu'on fait à genou, alors le monde a posé un écoyo. Alors donc, il y a une assemblée, un dérèglement, la moitié à genou, la moitié du bout. Donc, et moi, quand j'ai vu ce moment-là, le psaume 67, verset 2 aussi, qui a la même formule là aussi. De bénédiction. Donc, faut nous, comme on dit toujours, faut pas l'esprit nous en veillez. Oui. Et puis, dit que c'est le Saint-Esprit qui nous toute la place pour l'esprit nous. C'est par l'esprit nous qu'a formulé et par l'intelligence en fonction de la situation. Comme alors, on dit. Alors, il y a des fois, et certains mondes, il y a des gens qui ont étudié. Oui. Et puis, qui ont été dérangés, ils ont dit, pas qu'à comprendre le psaume 134. Et tu qui a dit, et voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alors, des fois, et c'est mon qui a oublié, la tenue les vite, qui a dormi. Mais oui, c'est lui qui a servi à l'hôtel. Mais oui, il a oublié ça. Il a été là, jour et nuit, et puis il a tenu un appartement, on dit dans le sanctuaire, ça a été fait pour ça, des compartiments pour cela. Et là, on levait la main en l'air, et Gratien, qui ça a symbolisé? Mais ça, là, on a levé la main en l'air, c'est quoi? Lever le nom de l'Éternel, nouveau peuple là. Ou pas montrer au peuple, sous moi, c'est là qu'il a venu. Bénédiction, c'est en haut qu'il a venu. C'est en haut qu'il a venu. C'est pas en bas qu'il a venu. C'est en haut, c'est simplement cela. C'est pas pièce, geste magique. Magique. Alors, On nous avance là où nous allons certains psaumes. Alors, par exemple, psaume 33, verset 3, psaume 40, verset 4, psaume 96, verset 1, psaume 98, et etc. Qui t'aime tous ces textes-là, ni en commun? Chanter au Seigneur un chant nouveau. Quel est donc ce chant nouveau? La raison de ce chant nouveau, c'est une prise de conscience renouvelée de la majesté du Seigneur, de sa souveraineté dans le monde. C'est-à-dire le chant nouveau qu'a venu traduit en expérience ou fait et puis Jésus. Soit dans le salut, soit une prière. Répondre, soit en adresser mon Dieu, en demande, en requête et il répond nous. Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité.
Ça, c'est le psaume 33, verset 3 et 4 qui a dit ça. Au psaume 40, verset 4, nous avons la même expression. Il a dit au psaume 40, au verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en lui sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs, parce que tu as multiplié, Éternel, tes merveilles et tes desseins envers moi. » Voilà donc la relation avec Dieu. Et ça, important, le cas, nous, un petit paragraphe qui a montré que la délivrance des ennemis et de la mort, ainsi que la faveur de Dieu envers Israël, voilà entre autres des raisons personnelles de chanter un chant nouveau. Ça veut dire que vous sortez en disant un tracas, en disant une épreuve. Là, on va faire ressortir un état de gratitude envers mon Dieu. Même si c'est un chant, ou tenir l'habitude de chanter. Amen. Ou qu'à chanter différemment, maman, c'est ça. Et c'est là qu'il a venu nouveau. Alléluia. C'est là qu'il a venu nouveau. Oui. Parce que, ou assuré que maintenant, chanter là, ou ni conviction. Oui. Parce qu'on sait où ça, mon Dieu fait bon. Ou passer, on dit, dans le désert. Et puis à présent, l'on qu'à chanter, chanter différemment. Et l'on chante différemment, il apporte une impression. Le Saint-Esprit qui apporte une impression. On le tient à l'autre monde. On le l'esprit à l'autre monde qui peut-être qui a dans le conflit. Oui, ça a aidé. Alléluia. Nous avancer. Alors, et qui monde qui dit adorer bon Dieu. Bible, on va au psaume 15. Psaume, on va répondre au psaume 15. Alors, la question est posée. En Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ou encore dans l'assemblée des saints? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel et il ne rétracte point quand il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gracia, sommes dans la qu'a disqualifié nous là. Il a disqualifié nous. S'il pas disqualifié nous, il a remettre nous en question. Sans manière pour nous dire bon Dieu merci. Merci. Parce que nous ni en telle commission en dedans. Sommes dans là. Pour nous ouvrir nous pour le Saint-Esprit. Pour nous examiner comme nous. Oui, avancer. Alors, l'on va regarder ici, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche, souligné. Oui, dans l'intégrité. L'intégrité et qui pratique la justice. Hein? Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point, ça c'est mille ans, Gratien, avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Voilà. Kodi Manila, miséricorde. Ah ouais, prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Mais oui, là, ça c'est le psaume 15, ça c'est un. Un miroir qui ouvert devant nous pour nous sonder comme nous. Mais cependant, nous avons la grâce et puis la miséricorde. Bon Dieu, parce que nous tous sommes des pécheurs. Oui. Nous tous qui commettons les erreurs. Mais la grâce, bon Dieu, alors, en réalité, bon Dieu, et ça, mon Dieu, comme on dit là, c'est que nous tous là et venus des saints. Voilà. Et qui sont saints?
En ce sens, mon qui laisse quoi purifié par l'Esprit de Dieu. Uh-huh. Par le Saint-Esprit de Dieu. Ouais. Et c'est la grâce de Dieu et puis sang qui a purifié nous. Mm. Si nous sommes. Sans monde d'abord qui reconnaît qu'il est pécheur. Il pécheur. Il perd. Qui allait à la source, à la fontaine du calvaire. Mm-hmm. Et puis il lavait quoi. Il confesse ses péchés. Il abandonnait. Ouais. Il lavait, il purifiait. Et puis il descend dans les eaux du baptême. Et qualifié oui, juste et saint. Juste et saint. Oui, très bien. C'est à travers le mérite de Jésus. Alors, oui. Alors, on nous garde des ici, un cœur net. Un cœur net. Pour la plupart, est la plus grande qualité devant Dieu. Amen. Le terme hébreu tamint qui signifie parfait traduit l'idée de plénitude et de bonne santé. Une vie parfaite est complète et non endommagée et en bonne santé. Uh-huh. Donc c'est cela. Donc c'est cela un cœur net devant Dieu. Et c'est pourquoi il a dit comme ça que les animaux étaient quand on fait un sacrifice. Ouais, doit être sans défaut. Pour être sans défaut et moi qui présentais même là tamine. Ouais, ouais, exactement. Sans tache. Mm-hmm. Sans tache. Et c'est comme ça bon Dieu qu'a mandé nous venir en sanctuaire là et là où il veut là comme ça ou pas ni problème pour lever des bois en l'air. Yo ka dégage à quoi, qu'elle avait des bois là mais c'est fou pour quoi hypocrite, il finit voir mon nom talent là, il finit bagarre puis après c'est qu'elle veut se coyer. Ou comment? Donc on est logique. Logique. Et puis nous-mêmes ouais. Et puis principe bon conséquent et puis oui. Principe. Faut pas nous poser les mais faut que nous juste et bon et fidèle par la grâce mon Dieu. Mm-hmm. Alors c'est important pour nous qu'on qui manière le discours parfait entièrement véridique un cœur net. Mmh. Et donc un cœur pur yes. Ou intègre, mmh. Il cherche Dieu ouais. Et il est restauré par le pardon de Dieu. Alléluia. Mmh. Une vie irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce de Dieu et de la justice. Mmh. Et en ce sens, c'est pas ça qui a fait nourrir si vous la faveur de Dieu. Ouais, comme on lit là, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais d'éviter les choses qui peuvent nous séparer de lui. Absolument. Mmh. Absolument. Mmh. Très bien. Eh bien, nous allons avancer à présent là pour nous savoir qui manière pour nous raconter gloire bon Dieu parmi les nations. Alors, quels est son aspect de l'adoration mentionnée à notre psaume de la grâce. Voilà, l'adoration, c'est chanter le Seigneur. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un grand Dieu, il est très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car les dieux des peuples sont des idoles, l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Cieux, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il juge le monde avec justice et les peuples avec fidélité. Voilà et donc oui, c'est l'expression alors, de louange de l'adoration. Sommes ta là. Mm. Alors et l'adoration qu'englobe qui ça au fait. L'adoration c'est chanter au Seigneur, c'est louer son nom, proclamer sa bonté et sa grandeur et apporter des dons, des offrandes en plus de ces aspects familiers de l'adoration. Le psaume 96 souligne un autre pas si évident. C'est-à-dire la dimension évangélique, la proclamation du royaume du Seigneur au peuple. Eh oui, oui. Mais le chant, la louange, le fait d'apporter des dons et la proclamation de l'évangile ne sont pas des actions séparées. Mais tout ça a fait ensemble. Un bouquet dans l'adoration. Où ça vient, mon qui a venu adorer?
Et puis c'est qu'on doit être macaque. Ouais. Non, mais au fin, mais il va quand même pas même un tuyau et comme reconnaissance et dans les offrandes et tout cela. Et bien, tout ça qu'a montré nous, la fidélité nous pour nous dans la dîme et les offrandes. Ou pas ça venir adorer, comme il a passé, ou pas chanter, gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni, et puis ou pas qu'a fait la mort. Pas non. On nous mettait. Faut joindre le geste à la parole. À la parole. Ouais, terminé. Absolument. Eh bien, ça, important, et nous allons comprendre que l'adoration implique donc de se souvenir des actes passés de Dieu, la création, de célébrer ses merveilles présentes, le fait qu'il soutienne le monde et son règne actuel, et d'anticiper ses actions à venir. Oui, les actions à venir. Jugement eschatologique, c'est-à-dire puis, jugement concernant la venue de Jésus. Et puis, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Exactement. Et ça, bon, oui. Les psaumes qui ont poussé nous à la profondeur et pour préparer nous pour cela. Absolument. Donc, nous pouvons comparer psaume Tala et puis le message des trois anges. Oui, Apocalypse 14, verset 6 à 17. L'appel universel. Celle du psaume 96, adorer le Créateur, reflète la proclamation évangélique finale de Dieu pour le monde, le message des trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. On nous prend Apocalypse 14 pour nous remettre en mémoire. Oui. Et ça qui a passé là. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un ange volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre. À toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source d'eau. Verset 8, et un autre, un second ange suivit en disant, Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, verset 9, dit, un troisième ange suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit une marque sous son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit une marque sur son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Oui, nous commandons ces moments virés à la lecture d'Apocalypse 14, verset 6 à 12, pour nous comprendre mission nous et qui menait pour nous présenter en l'évangile éternel, surtout rempli de grâce. Rempli de grâce. Intégré dans la louange et dans l'adoration. Très bien. Alors, on nous fait dernier point, nous avons psaume 40, verset 9 à 7, psaume 50, et nous n'avons pas été pareil, ni tout. Oui. Mais pour qui, Dieu n'a pas qu'à prendre plaisir au sacrifice. Alors, écoutez bien, nous avons lu au verset 2 pour nous bien comprendre. J'avais mis en l'Éternel, c'est un psaume de messianique ici, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue, c'est ça Jésus fait, nous, il a dressé mes pieds sur le roc qui est Jésus lui-même, il a fermé mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Au verset 7 et 9, il a dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors, on restait là. Et Pucci, il a dit ça là. Et puis Romain a dit, nous offrez-vous un sacrifice vivant, saint et agréable. Oui, mais Romain a dit un sacrifice vivant. Mais les sacrifices là, il faut tout choisir. Il vient un sacrifice. Et au verset 7, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc nous avons en préfiguration de Jésus qui a fait un sacrifice vivant pour nous.
pour nous. Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice à la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, tu le sais. Oui, on nous reste là. Gratien point Jean 4, vitement, verset 23, 24. Pour qui ça Jésus a dit ici, si pas qu'à correspondre exactement, et puis ça, sommes là, et qu'a présenté nous, et je dis à la. Jean 4, verset 23. 23, 24. Voilà, nous a dit ça tout de suite. Mais là, on vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que, ouais. Ça importe, on laisse ça nous quoi finir. Mm-hmm. Ce sacrifice-là, bon Dieu parlait, ça veut dire que c'est des sacrifices seuls ne suffisent pas. Mm-hmm. Hein? Ouais. À quoi servait-il si le cœur de ceux qui les offraient n'était pas rempli de repentance, de foi et de chagrin pour leur péché? Ce n'est que quand ils étaient accompagnés de repentance et d'action de grâce que les sacrifices des taureaux plaisaient à Dieu en tant que sacrifice de justice. Psaume 51. Mm-hmm. Jésus cite Ésaïe l'a imprimé de la manière suivante. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le problème que le psalmiste voyait ici était le même problème que Jésus rencontra avec certains, notamment les dirigeants, lors de son ministère terrestre en tant qu'adventiste du septième jour. Nous avons reçu beaucoup de lumière et de connaissances. Comment ne pas tomber dans le piège qui consiste à croire que la simple connaissance de la vérité et l'accomplissement des rituels sont suffisants? Eh oui, eh oui, ça mon Dieu qu'a mandé, ouais. Et c'est pour faire nous, pour faire comme nous, en sacrifice vivant, sain et agréable, et c'est ça qui est un culte raisonnable devant bon Dieu. Nous n'avons rien pour ajouter, c'est prier bon Dieu à présent. Ben nous le Saint-Esprit pour nous mettre en pratique et que l'adoration nous change. Grâce à prier. Papa Dieu, nous remercions. Vraiment, nous glorifions nous à travers le laboratoire des psaumes. Vraiment, c'est un laboratoire. Nous puiser force, nous avons puiser connaissance et puis sagesse. Et nous avons ouais, bon Dieu, que vous désirez sauver tout le monde. Mais ça ou pas voulu, c'est que nous avons venu à l'adoration et puis tiens nous attachés par l'hypocrisie, le péché, nous qu'a laissé les principes du monde prendre le dessus en nous. Nous voulons que nous abandonnions toute bagaille, que nous offrions nous un sacrifice vivant, entier, sincère, qui a honoré Dieu et qui repentant. C'est ça où les pour nous, Seigneur. Aidez-nous, pas nous le Saint-Esprit, pour convaincre nous de péché, de justice et de jugement, et que nous paraîtrons devant saint, irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est ça où fait nous. C'est prier nous en nom Jésus. Amen. Amen.